va faire un nouveau format qu'on appelle CQP, donc connaissances, questions et participants. L'objectif, c'est, on avait parlé avec Nicolas Renaud quand on avait fait le live sur l'informatique, c'était un peu issu du live. En gros, c'est que vous allez venir sur le Discord, un petit peu comme Marianne ce soir, et donc vous allez venir discuter avec nous, poser vos questions, interagir, répondre aux questions de vos collègues, dire quand vous êtes d'accord, dire quand vous n'êtes pas d'accord. Donc en fait, on aura le Discord qui sera ouvert pendant tout le live de la semaine prochaine. Donc le sujet, ça sera backlog des déviations. Vous allez pouvoir venir en live, dans le live, sur Twitch. L'objectif, c'est faire encore plus d'interactions. Il y a déjà le chat qui fait forcément encore beaucoup, beaucoup d'interactions et de direct. Mais là, on va casser le quatrième mur où vous allez carrément venir. Donc, vous allez pouvoir venir à la fois à l'oral, caméra pour ceux qui veulent. Ça se passe sera notre co-animateur avec toi, Christophe. Pourquoi? Parce que moi, je serai au standard, je serai votre standardiste. Pour venir, c'est assez simple. Pour venir en live, vous téléchargez l'application Discord, qui est une application gratuite. Là, vous voyez Discord. Donc, Discord, c'est notre serveur QP Pharma. Vous retrouverez le lien sur la vidéo YouTube. Vous le verrez aussi sur l'invitation. Et donc, du coup, vous pouvez rejoindre plein de salons. Donc, il y aura le salon en live sur Twitch où Christophe, Saspias seront connectés avec QP Pharma. C'est ce qui diffusera en direct sur Twitch. Et donc, vous pourrez accéder directement en cliquant sur l'invitation Discord dans le salon en attente que vous voyez ici. Et donc du coup, moi, je serai votre standardiste. Je viendrai vous accueillir. Vraiment, il faut vraiment imaginer ça comme un coworking, je recherchais le mot, mais dans un espace cyber. Et donc du coup, on fera un live la semaine prochaine avec une interaction poussée à l'extrême. Alors, d'un point de vue chiffre, il faut venir vite parce que les places sont limitées à 250 000. 250 000. Donc, bon, comme vous êtes quand même assez Voilà, nombreux, voilà. À 250 000, soyez On ferme la sautez porte. sur l'occasion, hein, parce Ouais. qu'après, on ferme la porte. Ouais. Non, mais mine de On rien, refusera les baskets. on À partir refusera de les baskets. 200 000, plus de baskets acceptées. Non, mais voilà, c'est un outil qui est quand même surpuissant. On peut être Ouais. 250 000 ou je ne sais pas combien de milliers par salon. Et 99 par salon vocal. donc voilà, quand vous en êtes à 100 à parler en même temps, déjà pour s'entendre, c'est compliqué. Ça va être compliqué. J'allais dire comment vous allez organiser les discussions. C'est non, en fait, c'est moi. Je serai dans Il le y a deux stand. voix. Moi, je serai dans le standard. Du coup, je gérerai les gens qui iront dans le salon qui diffusera sur Twitch. Et c'est moi. Je vais envoyer les gens les uns après les autres ou par petites séries pour avoir un certain nombre de personnes. Les gens ne vont pas arriver directement en live sur Twitch. Ils passeront par le standard, un peu comme dans une radio, hein, entre guillemets. Et donc du coup, c'est moi qui basculerai les gens dans le salon qui sera connecté à Twitch. C'est un forum plus Skype, ou c'est un peu C'est comme le exactement petit ça. Teams C'est en Teams en ligne. permanent, en Voilà, permanent c'est aussi. ça. Donc voilà, on compte sur vous parce que alors là, on va complètement se lancer dans un nouveau format. Clairement, on tente quelque chose hein, parce que ça existe. Alors le Twitch n'existait pas. Là, on retente encore un petit peu plus dans la technicité et dans l'interaction parce qu'on est des foufous. C'est ça. On n'a pas peur. Et j'espère que quelques personnes viendront au moins poser des questions. Sinon, vous allez vous sentir un peu seul. C'est sûr, Enfin, cela clair. dit, sur le sujet-là, tu peux parler pendant 1 heure et demie sans personne. C'est clair. Comme je peux le faire sur beaucoup de choses, mais là, sur le backlog des déviations, je vous invite quand même, je ne vous ferai pas croire que vous n'avez jamais Ouais. eu dans votre vie professionnelle d'industriel un site où il n'y a jamais eu de backlog de déviation et où vous avez été embêté pour les traiter. Je ne croirais pas.